Avec les crew neck et les t-shirts de Verdun, Montréal Nord, Limoilou, Hochelaga, Saint-Roch, les écureuils de Rosemont, Ville-Marie, Anjou, l'Université de la Vie, Onsic, Le Plateau, puis Longueuil-Bille et beaucoup plus sont disponibles sur le grimmtl.com. Bonne rentrée! À toutes vous autres, je vous remercie de la part des tout petits. À tous ceux qui ont resté dans le nord, à tous ceux qui ont chanté contre la peur, à toutes vous autres, je m'en vais vous le dire. Les gens en silence nous remercient. Y en a-t-il encore qui se demandent pourquoi le vent est après revenir notre bord? Ceux qui ont dit qu'on était de la folie sont après réunis parce qu'ils ont enfin compris pourquoi pas jumeler nos forces, pas jumeler nos proches, pas céder en force. Freedom all the world, freedom all the way. Freedom anyway, freedom toute l'année. Freedom all the world, freedom all the way. Freedom anyway, freedom même pour toi. À tous ceux qui travaillent contre leur gré, à tous ceux qui se donnent par moitié, à toutes vous autres, on vous le redit, on a compris que la famille a nourri. Tous ceux qui aiment juste la vie, à tous ceux qui défendent sa famille, entre nous autres on va se le dire, avant d'atteindre le pays. Pourquoi pas jumeler nos forces, hey! Pas jumeler nos proches, pas céder en force. Freedom all the world, freedom all the way, freedom anyway, freedom toute l'année. Freedom all the world, freedom all the way, freedom anyway, freedom même pour toi. Pourquoi pas jumeler nos forces, pas jumeler nos proches, pas céder en force. Freedom all the world, freedom all the way, freedom anywhere, freedom man pour toi. Hey! Wow, si c'était pas conséquent, ça, mesdames et messieurs, quel début de soirée magistrale. Freedom all the way, freedom every day.
Freedom, toute l'année, Freedom, même pour toi. Je l'avais jamais entendu, je viens de la découvrir. Bienvenue au Mercronspi, mesdames et messieurs. Mon nom est Tommy Godel, je suis accompagné par J.C. David. On va y parler dans quelques instants. Avant, je veux juste qu'on prenne un instant pour savourer ici un jeu de mots qui nous a été imposé par la vie et tout ça. Comment c'est solide, ça précise. Hein? Encore une fois, merci à Martin Godette du crachoir hein, de ménage. Non, c'est fini, ça. C'est tout ce qui TV, voilà, c'est ce que je voulais dire pour sa belle création. Ouais, c'est du grand temps. Du M en Brian May, là, ça score vraiment en petit pain perdu, on va dire. Je sais pas, peut-être que c'est une expression. C'est une expression en petit bon pain frère. Perdu. Je fait sais pas, on va sauce. Vivre avec. Hey, salut tout le monde. Donc, oui, voilà. Merci beaucoup, J.C. David, d'être de retour avec nous dans le Suburban. Comment ça va? Hey, ça va super bien. Merci de me recevoir, Tommy. Écoute, ben, moi, je suis super content d'être là. Je suis un gros fan du Mercronspi, je t'en ai déjà parlé. Puis, je les ai toutes vues. Toutes. Un vrai fan, Colin. Ben, merci beaucoup. Hein. Et je te remercie aussi par la bande de ta participation fréquente à LMM Hebdomag. C'est très apprécié. Tu mets ton petit costume en plus. Là. On se la joue MC. J'aime beaucoup ça. Donc, ben, on va y revenir. Tu nous as préparé un éditorial. C'est très apprécié. Tu nous as aussi amené comme des surprises sucrées pour plus tard. Et ben voilà, on va se rendre dans le « Je vous salue, Mercronspi » à Stix. C'est tellement niaiseux. Avant, je veux prendre un petit instant pour remercier les gens qui partagent le show qui commence sur les réseaux, sur vos réseaux et le reste. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Vas-y mon cher, on t'écoute. Dans le Mercronspi, on découvre en public un discours politique public partagé en public par des gens qui tentent d'influencer l'opinion publique. Il arrive qu'on rit du message, voire plus rarement du messager messagère. Mais le but de l'expérience est d'offrir un écho de raison à tendance humoristique aux idées creuses, voire radicales, qui pullulent en ligne. Le but est de dédramatiser tout en essayant de tirer toutes les pulsions vers le centre, vers le consensus. Pour ce faire, on tente de rester dans l'empathie, la patience, l'humilité et le pardon. On essaye, on ne dit pas qu'on l'est tout le temps. Non, effectivement. Dans l'ensemble, notre propos vise la désinformation elle-même et l'exercice en entier tente de cibler les désinformateurs et désinformatrices qui gagnent en argent et en influence grâce au partage et à la création de fausses informations. Notre critique et le ridicule qu'on peut parfois y percevoir ne visent pas les mésinformateurs et mésinformatrices que l'on considère victimes des désinformateurs et désinformatrices et trop souvent prisonniers et prisonnières des chambres à écho étanches. Effectivement, merci mon cher, très bien lu, tu sais, si tu veux sauger un petit peu quand t'auras l'impression, ben oui, t'auras l'impression, merci encore beaucoup, hein. Je pense que c'est Sophie qui nous avait envoyé la belle boîte, ici, amour, réalitouille, paix et véritouille, les quatre côtés de la boîte à sauge, merci beaucoup encore une fois. Il y a une affaire, il me semble, que j'ai oublié. Ah, c'est vrai. Salut les fouineux, il me semble, je les ai vus passer tantôt. Merci beaucoup d'être là, hein. Merci. Tommy, si tu me permets, ça serait un honneur pour moi de saluer les fouineux. Ah, ben, je t'en prie, vas-y. Les fouineux, je vous salue. De toute beauté, il vient de songer en pensant à vous autres. Fait que, ben, tiens, je t'invite à botcher ça là-dedans. Ça va me faire plaisir. Puis, tu peux lire les deux petits paragraphes du bas, s'il te plaît. Nous sommes tous au sein de Chambre à écho. Un des fardeaux d'être adulte est justement de devoir choisir ses chambres à écho. On est ici dans le Mercronspi, une chambre à écho. On essaie de la garder civile, poreuse et ouverte à différentes formulations et opinions. Mais s'imaginer que notre communauté n'est pas une chambre à écho, c'est se mentir. Tout le monde est au moins un peu conspi. Penser que les institutions sont fiables à 100%, c'est aussi cognitivement biaisé que de penser que les institutions sont fiables à 0%. À 0%. Très bien dit, mon cher. Merci beaucoup. On va finir ça hein, avant de parler d'autre chose. Je vous rappelle que la communication, c'est souvent de l'intention et de l'interprétation. 50% de chaque. Fait que si à un moment donné, vous avez l'impression que votre 50% à vous, qui est l'intention, est peut-être tout le temps mal compris, ben il y a peut-être comme une manière de se responsabiliser du pipeline de communication. Aussi, c'est mieux de penser à un malentendu et d'interpréter les événements comme ça avant de tout de suite sauter sur prêter de la mesquinerie ou des mauvaises intentions à l'autre. C'est un comportement que j'encourage beaucoup.
Sinon, mon nom est Tommy Godette et je suis un animateur formé en animation à la Louniversity et tout. J'ai aussi des cours de sociologie, des cours de culture. On a fait un musée à un moment donné. J'ai eu beaucoup de plaisir. C'est une chose qui est sûre, par contre, c'est que je ne suis pas un journaliste. Ça, je ne le suis pas. Je propose des pistes de réflexion et on tente de faire un tour d'horizon fiable, mais jamais solide à 100% d'une entité tout à fait floue qu'on appelle la complosphère. Si un des sujets qu'on aborde ici vous chicote, vous interpelle, prenez une petite pause, faites vos recherches, écrivez-moi. Le but, c'est pas de faire avaler des pilules rouges à qui que ce soit. Le plus important aussi avec le processus, c'est que ça rend heureux. Si le Mercronspi vous apporte de la colère et de la frustration, il est temps de prendre une pause. J'irai pas gérer dans vos shorts, mais si vous commencez vos partages dans les groupes aussi, prenez-la à la pause, pas besoin de le dire, ça fait du bien. Allez prendre une marche dehors, ces affaires-là. Anyway, encore une fois, do you! Aussi, ben merci aux modérateurs, modératrices. Leur indispensable travail nous permet de garder la discussion civile en étudiant des choses qui sont tout à fait clivantes, on va dire ça comme ça. Donc, voilà, respectez leur travail. On n'y va pas par des commentaires sur les habitudes sexuelles, sur la couleur de la peau. Sur les patterns de consommation, sur les diagnostics, on veut surtout pas ça, tu sais. Voilà, c'est pas mal ça l'essence de la chose. Si vous faites de façon un commentaire, merci de le prendre avec un grain de sel. Hein. C'est des humains qui font la modération et on aime ça comme ça. Ici, on est de même. Merci beaucoup, on est en locomotive de l'engouement. En fait, c'est plus tout à fait la locomotive de l'engouement et ça m'amène à vous dévoiler, tiens, on va essayer d'aller chercher ça un petit peu plus vite. Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Où c'est que je les ai mis? Je les ai mis dans la section. Puis là, on est rendu à la 2 déjà. Et là, c'est comme un petit peu long. Là. J'aurais dû y penser avant, mais je suis rendu. Là, il faut que j'aille dans les icônes de Saya Luna qui nous a fait cette fois-ci. Checker ça, on est rendu avec... Oups. On va l'avoir. Tiens, on est rendu avec... Ça, c'est le camp numéro 1. Quand on est en convoi de, ben c'est du convoi de l'engouement, on est au premier camp, on lui trouve une place. C'est que j'aime ça. Tiens, ça sera en bas ici. Puis là, ben, on est rendu au deuxième. On est au premier. On arrive au deuxième. Merci beaucoup de votre générosité. J'ai aussi mon coffre de rang again on the side avec, je vous promets, une affaire que vous allez trouver quand même assez particulière. Puis je pense que tu nous avais amené quelque chose, toi aussi. Quelque chose à montrer si le convoi. Oh oui, j'ai des choses à montrer. J'ai quelque chose d'ailleurs que je montre à tout le monde. Je le passe presque d'en face à chaque fois. Ah ben colis, j'ai hâte de voir ça. Sinon, bon, c'est aussi gérer une toune de côté pour chanter avec vous. Si on serait à la 8e gare de l'engouement, les choses se sont faites dans l'ordre. Donc là-dessus, on peut retourner au petit texte de bienvenue. J'étais rendu à tout simplement vous inviter à bourrasser si les émotions débordent. Voilà, tout simplement, hein, vous pouvez consulter les différents guides en haut, aller voir un bourrasseur bénévole, hein, ça se passe très bien. L'important quand on fait du bon bourrassage, c'est surtout de comme laisser les émotions sortir, et au final, ben, il n'y a aucun objet de briser ou d'être vivant de déranger, sauf peut-être des acariens, là, on peut bien les étrangler dans les oreillers. Donc voilà, le bon bourrassage ne brise rien et sort les émotions, et ça nous empêche d'écrire, mettons, des affaires inavouables, on va dire, dans le chat. Et là, il y a une toune, une pub de Canadian Tire, parce que c'est ça que j'avais oublié, qui vient de me revenir. Tu m'as envoyé, c'est la première fois, je pense, qu'un collaborateur prend de son propre chef de m'envoyer une playlist de YouTube. C'est quoi ce qu'on écoute là en background? C'est des thèmes sonores, dans le fond, des œuvres sonores de RPG, des combats de RPG de PlayStation 1. Oh, tabernaggers, de la musique de combat dans les grands RPG de la PlayStation. Ok, 1. Ok, cool. C'est une belle trame sonore. Perfect, ça. Sinon, ben voilà, merci de considérer le bourrassage et allez pas achaler des gens privés avec l'intention de les confronter, même pour faire une blague.
Ça, tout le monde devrait faire ça tout le temps. Et un gros merci à mes pocheurs de clips. Encore une fois, on a une sacrée variété de patentes. 355 fichiers ce soir pour passer au travers. Donc, on est rendu au moment un petit peu fastidieux que je vous garoche les liens de la semaine. Je vous rappelle que tout est dans le tommygodette.com. Si vous voulez avoir le compendium de la semaine, c'est là que tout est, là, tous les liens. Et je vous rappelle encore une fois que n'importe quoi dans ces liens-là peut être à l'examen à un moment donné. Ici, c'est que la semaine passée, c'est mon erratum. Il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer que le compte Twitter qui gérait le jet, les déplacements du jet de Elon Musk a été réhabilité. Ça a été changé et tout. Donc, pour vous mettre à jour, là, j'avais dit qu'il avait été fermé. Mais là, il est revenu, mais il paraît qu'ils ont comme dealé. Là, il est 24 heures de retard, ce genre d'affaires-là, là, pour pas que ce soit dangereux. Je sais pas. Merci de considérer un don à cet organisme. On en parle chaque semaine. C'est pour aider à l'inclusion des personnes autochtones au monde du travail, un petit peu plus mainstream, là, oserais-je. Et on est tout le temps aussi content de partager les deux ressources ici si vous avez besoin, si vous filez pour aider l'Ukraine, hein, autant en y allant avec des dons en argent via le premier lien, le U24 gouvernement, ou du temps si vous voulez participer. Et je pense que là, notre bonne Easy Topad vient de nous envoyer à la deuxième gare. Donc, je sors le petit graphique. On va trouver une manière. Oh, check ça, comment c'est cool. Ça y est, Luna nous a fait une belle barricade. Fait que là, ça vient par-dessus celle-là ici. J'ai frayé de plus en plus grosse. Quitte à nous effacer, nous autres, on s'en fout un petit peu. Tiens, hey, check ça, comment c'est cool. Bonsoir, les douteux. Hey, salut, Kizan. Je suis vraiment content. C'est vraiment super beau. C'est ce qui est bonne, ça y est, Luna, c'est vraiment le top. Donc, oui, je continue ici avec mes liens de la semaine. Twitter a fait la promotion cette semaine d'une page, on va dire, c'est plus que transrésistant, là, c'est un les Libs of TikTok, Tommy, on va en parler beaucoup ce soir. La Barté ou la Mouerté. La Barté ou la Mouerté. Merci beaucoup, Stratomat. Merci tout le monde. Je vais me permettre de baisser un petit peu le son de ça si quelqu'un d'autre en met ici. C'est important, on va en parler rapidement. Mais Annie-Ève nous a officiellement invité, moi, Sophie, Jonathan et toutes les autres là, de la gauche extrême radicale, à aller à une conférence d'un biologiste qui s'appelle François... j'ai oublié le nom... François Chapelot. Et ici, ben, on a trouvé trois articles qui nous démontrent que... En tout cas, François Chapelot, on sait déjà pas mal c'est quoi qu'il pense sans qu'on aille été voir ses affaires. Et on est déjà rendu à la troisième gare, là. Je dis ça avec un... Oh, c'est celle avec le spa. Mon cœur vient de chavirer. Oh my God. Oh my God. C'est tellement beau. Un grand moment patriotique. Faut pas j'y pense. Donc, vous avez ici des articles. On y reviendra. Là. Moi, je prends pour acquis que vous y avez accès. Là. Sinon, vous irez sur TommyGodette.com. Je ne recliquerai pas là-dessus. Et vous pourrez faire facilement vos recherches. Là. C'est quelqu'un qui voit la complexité d'un angle biologique. Oui, c'est correct. Il y a des comportements homosexuels qui ont été observés chez à peu près toutes les espèces animales. Sauf que, tu sais, c'est parce que l'identité de genre, il faut que tu sois capable de parler. Tu sais, fait que tu peux pas comme apprendre un chien. Tu sais, te sens-tu plus comme un chien femelle ou masculin, tu sais. Puis en plus, c'est pas la même affaire, là. C'est pas biologique, c'est un problème humain, là, qu'on connaît. En tout cas, c'est tellement esprit de... T'es bon en biologie, t'es pas bon en sociologie, t'es pas... T'sais, c'est pas la même calisse d'affaires, là. En tout cas, t'sais, OK. Ici, on va en reparler aussi beaucoup. 547 emplois qui ont été fermés à TVA. C'est fou qu'il y ait eu quand même eu de l'espace pour garder Richard Martineau là-dedans. Mike Johnson et son fils. Mike Johnson, c'est le nouveau Speaker of the House. Hein. C'est comme quelqu'un qui était une D-lister, là, de personnalité de liste D. Puis là, il est monté liste A. Fait qu'il y a plein d'affaires qui se déterrent sur le gars. Et ça, c'est uber cringe. C'est que lui et son fils de 17 ans, depuis quelques années, ils partagent une app que tu monitores la consommation de porn de l'autre sur son téléphone.
Fait que c'est un père avec son fils de 17 ans qui monitore l'un et l'autre la consommation de porn de l'autre. C'est vraiment c'est cool. Super cringe, là, tu sais. Puis que ce soit, mettons, n'importe quel père avec n'importe quel fils, je trouverais ça cringe. Mais là, c'est la troisième personne la plus importante du gouvernement américain qui fait ça. Vous allez voir, c'est tout à fait bien décrit. Ici, c'est Sam Bankman-Fried qui a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation de fraude. Là, c'était le gars de, j'ai oublié sa crypto-monnaie, mais ça a été une des plus bruyantes, entre guillemets, quand c'est tombé. C'était aussi un démocrate avoué et tout, là, quelqu'un qui était très impliqué, donateur de Hillary Clinton et tout. Fait que voilà, hein, ça rajoute de l'eau, de l'huile sur feu. Ça, c'est quand même assez louche aussi. C'est une guerre des croûtes. Ben, c'est pas tout à fait ça. C'est deux diététiciennes aux States. Il y en a une qui est comme super connue, puis qui pogne super gros, puis qui est super bonne, puis qui parle super vite, là, mais qui offre des suppléments de protéines. Puis il y en a une autre, les deux font des streams. L'autre est moins connue, elle a un moins gros reach, mais là, elle a débunké la poudre de protéines de l'autre en disant que ça n'a pas rapport que tu vends ça comme ça. Fait que là, elle est attaquée par des fans de l'autre, puis tu sais, c'est vraiment comme la guerre ouverte entre deux clans de fans de diététicienne. C'est super weird, là. Il se passe des drôles d'affaires. Oui, hein. Vraiment. Mais il y en a une qui a l'air d'être là comme pour les bonnes raisons, là, tu sais, si, mettons, Libre Giroux Choicard, il est en train de vendre des cochonneries, puis quelqu'un dit c'est des cochonneries qu'il vend, tu sais, c'est le drawback, en tout cas. Ben, je pense que c'est des cochonneries qui vont... C'est ça, ben oui. Je n'ai pas pris un exemple au hasard. Dans ce cas-là. J'ai une bonne connaissance en Carl Giroux. OK, oui, c'est ça, t'es plus deux. Aïe, merci pour le convoi de l'engouement. Checker ça, comment c'est beau. On est à 30% de découvrir la prochaine. Ça ici, c'est le climat et l'industrie du bois au Québec. Il y a eu un espèce de gros colloque cette semaine qui en parlait. Un bon article qui résume un petit peu tout l'été qu'on a vécu à ce niveau-là. Tucker et Daniel Smith, ici. Daniel Smith, c'est la première ministre conservatrice de l'Alberta, qui est tout à fait sa sauce, là, qui a essayé de renverser toute l'étiquette qu'il avait eue par le passé, ces affaires-là. Puis là, elle va parler avec Tucker Carlson, parce que Tucker Carlson ne peut inviter personne d'autre que... voilà, hein, ce sinistre personnage, sept sinistres personnages. Et ici, ben, c'est l'événement Facebook de notre rétrospective du M en fin de semaine. On espère que vous allez être avec nous, soit en direct sur cette même chaîne que vous êtes en train d'écouter, Twitch Douteux TV 1, ou peut-être venez sur place au musée, il va Tucker Carlson. Tucker Carlson, c'est excellent. Oh my god! C'est le nom de la soirée. Il m'a eu avec juste le petit salut là-dedans. Tucker Carlson. Tucker. C'est tellement niaiseux. Peut-être que je l'avais déjà lu avant ça. En tout cas, ça vient de m'avoir. Et écoutez, je suis rendu un auteur. Si vous voulez vous défouler puis acheter une copie de mon roman fantastique Leveleau, on n'en parlera pas à toutes les semaines, mais là c'est frais de la semaine passée, fait que, hein, on mousse ça un peu. Et ça ici, ben, je suis très content de partager ça pour Céleste Trianon et les autres personnes trans qui se lèvent et qui prennent la place qu'ils ont le droit de prendre pour... Voilà, une petite marche ici. C'est pas besoin d'attendre d'être réactionnaire. On peut juste aller manifester, d'être content d'exister. Et je vous invite à suivre l'événement Facebook pour ça. Là, ça a l'air de se passer en fin de semaine. Si vous voulez aller faire un tour, merci tout le monde pour le convoi de l'engouement. C'est vraiment très, très apprécié. Avant de te laisser de passer la poque, mon cher, j'aimerais peut-être qu'on boive la potion, une potion centenaire à bulles. Qu'on a amené. Il y a deux verres. Il y en a un, il est écrit dessus. C'est important que tu prennes celui avec lequel tu es à... Oh, je fais. Je comprends. Ce que tu veux. Je suis très à l'aise avec ça. Parfait. Allez, bonne soirée tout le monde. Merci d'être là. Fait qu'on te passe la poque pour ton éditorial. Merci, Tommy. J'avais jamais écrit d'éditorial avant. Il y a quelques semaines de ça, pendant un mercredi conspi, Anna l'information a tissé des liens entre la lutte professionnelle et la politique. Et j'ai ressenti le besoin d'effectuer un exercice semblable. Selon mon point de vue, il y a beaucoup plus en commun entre la lutte professionnelle et la complosphère québécoise.
Avant de commencer, je tiens à préciser que la lutte est ma grande passion depuis plus de 35 ans et que je suis impliqué dans le milieu de la lutte québécoise en tant que ring announcer. Je suis aussi au podcast Le Carré Rond avec le délicieux Martin Godet et l'excellent Steve Sauvé. Martin Godet, je pense que c'est un gars que tu connais. Oui, c'est mon brother. Ouais, c'est... Tout comme dans la lutte professionnelle, la complosphère déborde de personnages en tout genre, haut en couleur, même plus grand que nature. On va en nommer une couple, là. Comme Jacinthe Bélanger, Pierre Dion, José Rivard, Tristan Bavaria. Juste ceux-là. Ah, c'est pas mal de couleurs, ça. C'est ouais. Des très, très grandes couleurs, ça. Tu sais, tout comme dans la lutte professionnelle, les complotistes sont leur légende. Jean-Jacques Crèvecoeur, c'est le Hulk Hogan. Puis tandis que Alex Cassette Trudel, c'est le Bruno Sammartino. Puis Kako Sosferatu, c'est une gimmick de marde. Clin d'œil à Martin Godette. Rassurez-vous, je ferai pas le décompte de tous les complotistes notoires. La liste est longue, passons à d'autres faits. Comme dans la lutte professionnelle, les complotistes font des promos en tout genre dans le but de promouvoir des événements à venir ou pour avoir le plus d'audience possible. Par exemple, le convoi de Schrödinger, où on a martelé continuellement que ça s'en vient. Il y en a un, il y en a pas, il y en a un, il y en a pas. La lutte, c'est comme ça. Dans les deux univers, si vous n'avez pas de public, vous n'existez pas. Tout comme dans la lutte professionnelle, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ils ne peuvent tenir la cadence et souvent, ils sont la saveur du jour, ils deviennent fades rapidement et sont dans l'oubli. Jean-Yves, Alex Lépine, nommé ceux-là. Ouais. Tout comme dans la lutte professionnelle, il y a beaucoup de jeux de coulisses, tout le monde veut se faire voir, surtout faire plus de cash. Des alliances se forment, se brisent allègrement. Puis je parle pas dans le ring, là. Par exemple, Dan Pilon pis Sam Grenier. Te rappelles-tu quand Mario Roy voulait boxer avec Stéphane Blais? Oui. Ça parlait d'enculade d'un bon. Ah, écoute. C'est moi qui t'encule, c'est pas toi qui m'encule. C'est la mauvaise promo de lutte, ça. Puis là, ils ont dit, mais ouais, mais JC, dans la lutte, il y a des combats. Mais attends, la complosphère aussi. Là. Attends une minute, là. Il y en a, puis j'ai des classiques. Il y a un combat. Il y a un combat par équipe 5 contre 5. Il y avait Team 10. Qui voulait ouvrir un portail qui allait affronter Team Crucifix qui tentait de les en empêcher. La plus belle de toutes les guerres des croûtes. Ouais. Ou un combat handicap à 14 contre 1. Quand les Farfadets ont courageusement affronté l'employé d'un Subway. Un seul employé, 14 Farfadets. Je me souviens de Papy et Tidré qui ont tag-teamé Étoile du Ciel pendant le convoi. Mais toi, Tommy, t'as été impliqué dans des combats. OK, le combat citoyen. Avec Joe Lindigo, ça vira en free for all sans aucun espoir de rematch. C'est... Joe est hors de contrôle, disqualifié. C'est vrai. Pour ses agissements disgracieux. Puis ton deuxième combat dans le ring de l'école Henri Bourassa, t'as été challengé par Pascal de Salive Zurlu et son fidèle acolyte Amalega le Grand. Même si ces deux personnes étaient accompagnées de leur criard bodyguard et de leur valet de service, Madame Gisèle, tu as tenu bon. Bravo, Tommy. Tout comme dans la lutte professionnelle, devant nos yeux, ils forment des alliances, ils se trahissent et c'est la guerre des croûtes. Effectivement, pas le choix. Et tout comme dans la lutte professionnelle, les retraites, ça existe pas vraiment dans la complosphère. Fait que merci Tommy de me recevoir dans l'épisode 162 du Macronspi. Bonne soirée tout le monde. Hey, c'était vraiment bon, man, ton affaire. Bravo. Merci beaucoup à toi. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Je sais que ça brasse à ton emploi et le reste. Et moi, ben, je fais suite. J'en parle de ça ce soir. 420 000 travailleurs de la CSQ, de la CSN, de la PTS, de la FTQ. Ce genre de mouvement, je trouve ça tout à fait trilant. De mémoire, la fois d'avant, que autant de nos concitoyennes et concitoyens se sont alliés. C'était en 1983. Je pense qu'à l'époque, il était genre 200 000. Ça a quand même pas mal changé des affaires. Ça a amené des avancées bénéfiques pour ce qui convient d'appeler, dans ce cas-ci, c'est rare qu'on l'utilise de la bonne manière sur ce show-là, le peuple. Je suis très heureux de cette situation. J'espère que ces travailleurs et travailleuses qui constituent littéralement la charpente de notre société sauront tenir le coup pour obtenir ce qu'elles méritent.
Parce que bien que la pandémie nous ait légué le PCQ comme nouveau parti mainstream tout à droite, avant le PCQ, c'était la CAQ qui était le plus à droite des partis principaux et promettait de redresser l'économie loin de la corruption des libéraux, vu que eux, les gens de la CAQ, étaient nouveaux dans l'arène politique. Oui, François Legault, député depuis le millénaire d'avant, se vantait d'être nouveau en politique. J'en parle souvent sur ce show et ailleurs, mais il y a sûrement une bataille entre le cash, entité qui a une volonté bien propre visant à s'agglomérer, et les humains en général, qui sont chacun et chacune des puits sans fond à combler. Ce genre de mouvement social de grande ampleur, on parle de 10% de la force travaillante, c'est vraiment pas rien, mais je trouve ça grisant et ça permet des espoirs qu'on avait enterrés. Go Duranceau, change d'avis avec le bail. Go le go, capiche. Puis go Duhem, ferme ta crise de gueule, toi qui veux hacher dans la fonction publique à coups d'inutiles et coûteux. Mais surtout, go les syndicats. Notre qualité de vie ne doit pas être à vendre aux plus offrants. Et j'invite tous mes concitoyens et concitoyennes à la patience qui va peut-être être nécessaire pour être des alliés au meilleur et plus efficaces de ce mouvement de société. On vous souhaite vraiment le mieux possible. Moi, je trouve ça trillant pour vrai. T'sais, quand on veut des grands changements, là, il y a plein de monde qui ont décidé, c'est le temps que ça change. Go, j'en back. Puis, tu sais, plein de monde pour des bonnes raisons. Puis en respectant des consensus, on va dire. Là. Parce qu'il y a quelque chose, il y a une différence entre les mouvements syndicaux qu'on voit là puis la manif du match des étoiles du 1er mai 2022-2021. Ça, je suis adamant là-dessus. Sinon, ben, au menu cette semaine, on va y aller. La grève nationale et les mises à pied chez TVA ont créé deux gros dossiers desquels on va traiter en début de show, s'en débarrasser. Avant, on va aller rejoindre l'usuel florilège de désinformés locaux. Notamment avec Cunégonde, Gloriane Blais, qui a eu une crise de grosse semaine suite à sa défaite en cours. André et son crew, on a une vidéo de sa blonde, là. It's over the top. On va parler d'anges bleus puis de portails galactiques, là. Il y a vraiment beaucoup de Radio X, vu que cette semaine, il y a eu une chicane entre les pirates et Jérôme Landry. Une chicane qui est pas mal drôle, on va se le dire. Des grosses nouvelles du côté de Carlos et du Diduloverse. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais ça fait deux semaines. En fait, c'est peut-être ma job à moi de vous le rappeler. Mais ça fait deux, trois semaines que Carlos nous dit que le 31 octobre, c'est la fin de tout. Parce que en 1917, l'Angleterre a signé un contrat pour créer l'État d'Israël un 31 octobre. Là, c'était le 31 octobre. Fait qu'il avait comme signé un contrat de 106 ans, si j'ai bien compris. Mais bon, whatever. Puis là, ben c'est ça, tout est en train de s'effondrer. On le remarque tout de suite. Et voilà aussi les pirates, Jérôme Landry. Oui, je l'ai dit, hein, des grosses nouvelles de ça. Il y a moins de Duhem que d'habitude. On a deux clips de Jacinthe, un aura, un montage de notre bon Jason à propos de Guillaume. De Kézac qui est en train d'essayer de prendre le contrôle des Esséniens. J'avais partagé un article il y a quelques semaines. Vous allez facilement le trouver, là, taper les Esséniens dans Google. Là, pis, en fait, c'est une espèce de grosse secte qui est autant en France qu'au Québec qu'en Suisse. Et ils ont des grands terrains partout. Puis là, le fondateur, qui était immortel, est décédé. Fait que là, il y a comme une espèce de grosse guerre à l'interne. Savoir qui reprend quoi, là. Parce qu'il y a du monde qui ont mettons, ça fait 40 ans que je suis dans le secte du gars immortel, puis là, moi, je me suis construit une maison sur son terrain pour continuer à aller travailler gratos pour lui tout le temps, tu sais. Fait que là, la maison, c'est moi qui l'ai construit, j'habite dedans, je veux que ça me revienne, là. Lui, il m'avait dit que j'étais éternel, puis que j'étais pour avoir cette maison-là pour tout le temps, tu sais. Fait que ce genre de patente-là, c'est weird quand tu y penses, mais on est en train de jongler ces dossiers-là. Pour moi, ça va être très drôle. Le Guillaume de Kézac qui prétend à devenir le chef de ça, c'est la personne qui parle en français qui me fait le plus penser à Keith Renière, par contre, le gars de Nexium là, qui faisait se graver ses initiales dans la peau des madames. Là, c'est louche en esti. Et il y a moins de Duhem que d'habitude, quelle excellente nouvelle. Un peu de Joe Lindigo, Duhem Aléga, du Alexis.
Et on va aussi, vraiment, mesdames et messieurs, noter le grand retour de 3 semaines de vacances de Roxane, la moins drôle de toutes les humoristes au monde, du Trump, un bon bloc LMM au convoi. Et on termine avec un clip de 33 minutes de Tristan Bavaria, qui, on me dit, y va d'un réel appel à la violence dans l'amour habituel des guerriers de la liberté qu'on connaît ici sur le show. Je pense que tout est là. Tu te sens-tu bien avancé? On a tout fait les petits rituels de début. Je pense qu'on est prêt. Oh oui, je suis prêt. Je suis très prêt. Parfait. Je trouve que ça s'annonce bien. Écoute, quel ciné-conspi. Tristan Bavaria. Le wow. Grand Bavaria. Et puis lui, il est de retour depuis qu'il est de retour. En tout cas, là. Fait que merci beaucoup d'être là, tout le monde. On vous souhaite une belle soirée à notre antenne. Je double-clique. On commence avec quelques petites images ici. C'est la plus belle photo de Mercure jamais prise. Hey, cool, Mercure. Ouais. C'est une vraie photo, là. Ouais. Wow, c'est impressionnant. C'est attendez, c'est. Mercure, son centre est à peu près genre 60% de... Il y a tellement de météores, puis il est tellement proche des vents solaires qu'il est tout brûlé, puis il est tout petit. Là. C'est comme un raisin. Là. La Terre, c'est un raisin, mais Mercure, c'est comme rendu un raisin sec, là, tellement okay, qu'elle... Puis là, ben, t'sais, un météore qui arrache des morceaux, puis là, ben, c'est juste comme un centre de fer qui bouge pas. C'est quand même très impressionnant. Moi. Ouais, il sait ça. C'est une scrap de tire vue d'en haut. Est-ce que c'est weird? On va peut-être trouver de quoi faire avec ça un jour, hein? Et ça, hein, qui suis-je durant la crise de COVID? Je sais pas ça vient d'où, je sais pas c'est quoi. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça, je le mets là. Vous pourrez d'ailleurs peser pause puis checker mieux, là. Mais au début, hein, le qui suis-je, peur, je me plains fréquemment, je transfère tous les messages que je reçois, je me forge facilement. On peut passer à l'apprentissage, j'identifie mes émotions, je commence à lâcher prise sur ce que je ne peux contrôler. Ah, c'est donc bien verbalisé, c'est cool. J'achète de la nourriture, papier de toilette et médicaments dont j'ai pas besoin, ben voilà. J'arrête de consommer ce qui est mauvais pour moi, que ce soit nourriture ou les actualités. Je deviens conscient de la situation et je pense avant d'agir. Wow! Et croissance, je remercie et j'apprécie les autres. Hein. On parle même plus de COVID. C'est le fun. Plus tu t'éloignes de la peur de la COVID, moins tu parles de COVID. Je sais pas si ça marche dans l'autre sens. Là. Moins tu parles de COVID, ça veut-tu dire que moins tu as peur de la COVID? Je sais pas, Tommy. Mais moi, je suis content de vivre dans peur parce que vivre dans peur, ça me permet de faire un paquet de choses que j'aime avec un paquet de gens que j'aime. C'est vrai, à date. C'est incroyable. J'ai du fun dans peur. Moi, je sais pas pour les autres, mais moi, j'ai du fun. À date, ça va bien dans peur, effectivement. Hey, j'ai oublié de saluer tantôt notre jambon Rodriguez qui nous a raidé. Merci beaucoup. Et on vient d'être rejoint par nos excellents amis du jeu C'est sérieux chez qui j'étais hier. On était les docteurs avec les frontières quantiques. Que Dieu nous bénisse tous et chacun. Ma foi en Jésus-Christ est non négociable. Hein? OK. Mais quel concept? Sors ton arc à flèche, là. C'est comme ça que ça se parle, là. Ça doit faire mal, là. Plus je regarde ça, plus que ça fait mal, ça, son affaire. Ben oui, c'est son doigt qui est en feu. Ça marche pas, ça. C'est bon. Caroline. Ouais. Et... écoute, c'est une mauvaise expérience. Oui, vraiment. C'est ici que je l'ai trouvé. Tu vas plus jamais retourner au hockey. Fait que, en tout cas, tu reviendras. Là. Peut-être l'année prochaine, c'est pas le. Et ça, ben, Catherine a partagé ça, je trouve ça awesome. Si j'aurais, ils croivent, comme même, je sais, je fais ça, ça va. c'est très bien illustré le concept. Qu'est-ce que aussi. C'est bien imagé, oui. C'est, Et notre chum Kato est allé aux States. Check, il a pogné ça, Isot. C'est un porte-verre à suce que tu peux mettre dans la douche. C'est pratique. Ben, on en manquera pas. Et oui, je pense que si vous regardez sur mon Facebook, par exemple, je dirais que 90% des gens sont d'accord avec ce que nous faisons. Citation de François Legault. On va parler un petit peu de cette grève-là. Avant, ben, checker. À go, on y va dans la rue. Une grande manif pour sauver les bus et le métro. Manif à Montréal le 19 novembre à 11h au métro Square Victoria. Ah, ça, c'est peut-être pas la même affaire. Personne avant de lancer cet appel à la mobilisation parce que qu'est-ce c'est qu'on s'apprête à subir si on perd. C'est quand même très important. C'est très grave. Alors, c'est pas vrai qu'on va attendre. N'importe qui peut dire, hey, c'est le temps qu'on descende dans les rues pour se faire entendre.
Parce que l'inaction de la CAQ, ça va nous coûter cher. Plus de métro après 23 heures. Le service va juste commencer à 9 heures les fins de semaine. Et environ 15 à 20 % moins de passages d'autobus et de métro. C'est un retour aux années 90, début des années 90. Je ne veux pas que ça arrive. On ne peut pas se permettre en 2023 de faire un tel recul. C'est quand même big comme appel à la mobilisation. Si la CAQ investit pas un peu démesuré, j'espère faire sortir des milliers et des milliers de personnes. Alors, je vais avoir besoin de même la mairesse en a parlé. Il y a un lien dans ma bio, vous pouvez me contacter. Puis on va s'organiser, on va se mobiliser. Alors, on attend personne. Une catastrophe, Tommy. Dans la rue. Let's go, on se voit le 19 novembre. Ouais, le go, il y a une gestion très, très... pas super swell de... Et ça, ça date quand même, ça nous ramène en 2012. Legault a dit la coalition propose d'augmenter les salaires des enseignants de 10 à 30 Let's go, Legault, c'est le temps de le faire. Le placard en français, on est allé dans le passé. Si l'éducation est notre priorité, comment se fait-il qu'on ne paie pas plus nos enseignants? Pourquoi les enseignants sont moins bien payés que les avocats, ingénieurs, comptables, agréés? Revenons à l'essentiel, si on veut valoriser l'éducation, doit-on, entre autres, augmenter le salaire des enseignants? Pourquoi les enseignants ne sont pas mieux payés? Donc ça, c'est du logo, gars, jusqu'en 2018. Les enseignants au Québec sont moins payés que ceux de l'Ontario. Les infirmières sont aussi moins bien payées qu'en Ontario. Mais les médecins spécialistes sont mieux payés qu'en Ontario. C'est indécent, c'est indéfendable, ce n'est pas équitable. J'essaie de comprendre pourquoi, malgré les beaux discours sur l'importance de l'éducation, les enseignants ne sont pas mieux payés, donc voilà. Mais ça, ça date. Hein. On est en 2012-2018. On change hein, depuis. On change ce que c'est d'être premier ministre. Et ça aussi, c'est un grand culturé de... C'est quelqu'un qui m'avait déjà chicané que je faisais des shows divisants puis radicalisants. Puis là, ben, depuis, écoute... La division, c'est mal, Tommy. Oui, en tout cas. Il y a un YouTube, si vous voulez aller voir son clip dans lequel il rit de Carl et Marie. Cette fois pas rire, c'est pas correct. Je change des vues, ça. Ouais. Là, tu vas voir. C'est pas agréable. En tout cas, tu vas voir. Il est un petit peu moins de centre raisonnable. C'était avant la guerre culturelle, ça. C'était avant que les profs ne deviennent majoritairement que des propagandistes de théories farfelues d'extrême gauche. Avant, les enseignants méritaient mieux. Aujourd'hui, peut-être à cause que le salaire était vraiment mauvais, ça a attiré les pires parasites woke que l'humanité a connus. Sortez vos enfants de l'école. Wow. Fait que c'est ça. Il y a toutes sortes d'appréciations du travail. Il y a Maléga François aussi qui s'implique. Hein? Il n'est pas question qu'il ne s'implique pas. Je ne suis pas membre de ce syndicat, mais tout ce qui peut fragiliser Legault est la bienvenue. J'irai faire mon tour. On a donc une marche ici. Qu'est-ce qui va se passer là-dessus? C'est un message qui a été partagé en privé à des membres des associations syndicales. On me l'a envoyé ici. Je te laisse nous le lire. Aura lieu de minuit à 10h30 dans les écoles primaires et secondaires et de minuit à midi dans les cégeps concernés. Cela viendra notamment retarder l'arrivée en classe des élèves fréquentant les écoles de plusieurs régions de la province où le transport scolaire sera par ailleurs suspendu. Dans le milieu de la santé, des dizaines de milliers d'employés feront aussi la grève, mais ils devront continuer d'offrir des services essentiels à la population. C'est tout à fait vrai et raisonnable. Notre membre, la direction syndicale, a eu vent qu'un groupe de manifestants de la sphère conspirationniste se joindrait à nos manifestations. Nous aimerions clarifier que l'ensemble des administrations syndicales se dissocient complètement de ce groupe et qu'ils ne sont pas autorisés à joindre les rangs syndicaux. Amen. Il n'est pas question qu'ils changent jamais rien. T'sais, personne ne veut les voir nulle part. Mais t'sais. Fait qu'en tout cas, c'est un mémo qui s'est promené. Et Alexis Cossette-Trudel a dit « Ah, mais les gars, pourquoi tu as effacé le post que tu disais vouloir aller manifester avec le personnel de la santé? » Et c'est... Il y a quelqu'un qui a répondu « Probablement parce que le personnel de la santé ne veut pas avoir de conspirationnistes comme toi et lui. » Non. Et bien, on a vu que c'était ça. C'était ça la raison. Il y a quelqu'un qui est allé challenger Amalega sur son wall. Tiens, on va se les faire chacun notre tour. Commence. Tu n'es pas le bienvenu. Une autre dose de vaccin avec ça. C'est sorti cette semaine en France et en Europe. Pfizer a caché les morts causées par les vaccins lors des essais à la fin de 2020 pour qu'ils soient autorisés ainsi que ainsi en vendre des milliards de doses. Là, Alexis, hein, il demande des preuves au gars qu'Amalega n'est pas le bienvenu. On sait très bien qu'Alexis ne dirait pas ça dans Amalega. Allez, prouve-le. Donc voilà, c'était rendu là.
Ah, compression, moi, ouais. Non, 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 non. En fait, c'était, j'ai mal placé mon clip. Je voulais qu'on écoute ce clip-ci. C'est Amalega qui est allé à la manifestation. Je suis devant le ministère de la Santé et des Services sociaux. Parasite. Et je vois qu'il y a une manifestation. Tu sais, ce gars-là fait rien d'autre dans lui qui a hijacké des manifs. Aller chialer contre des pistes cyclables. Pour des stationnements, moi, c'est mon Great Assets 2023. Libérer le stationnement, là, c'est... T'sais, pour une fois qu'il y a une manif qu'on est... Ben, pour une fois, je veux dire, ça fait du bien d'être du bord des manifestants, encore. Tu regardes, ils sont pas contents de le voir, là. Donc, puis lui, il fait son film pareil. J'imagine que là, ce sont les employés du ministère qui sont en train de... Moi, je fais partie de l'exercice syndical du travail, puis on tolérerait pas ça. Ben, c'est quoi tu peux faire? Ben, on peut demander à ce qu'on aimerait te demander de t'en aller, puis ça devient un cas. Mais je suis dans un lieu public, j'ai le droit d'être ici et de filmer. Moi, mais moi, c'est un campus sur YouTube. Ouais, je comprends. Libérer le stationnement. We want more parking. Il pourrait tellement. Je sais pas, faire du pudding chômeur. Quel est le minimum d'augmentation? Ah non, Amalega, ça va tranquillement pas quel vite. Quel est le minimum d'augmentation que vous allez accepter? Moi, je constate qu'il est toujours en liberté. C'est 30%. Ah, puis il filme le monde, s'en va dans l'œuf. Parce que c'est pas poli. Sans autorisation. C'est le minimum qu'il va m'accorder à la population, sinon c'est du mépris. Mon corps, mon parking, c'est excellent, ce jambon. Let's go! C'est beau, manifestant! Il y a beaucoup de madame en plus. Bravo, madame! Ça, j'ai l'impression que c'est bien proche de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Ça ressemble à être autour de... Bon, on dit que c'est l'hôpital Saint-Sacrement. Ah, OK. Vous attendez Saint-Sacrement d'Ostie. Salut, Papillon Rose. Vous ne voulez pas être filmé. Parce que c'est le Papillon Rosemont qui s'en va au vieux building. Désolé. Je peux me tromper. Saint-Sacrement, ça serait où, ça? Je me pose des questions géographiques. Un hôpital de Québec. Il a été à Québec pour ça. J'espère qu'au moins, ils vont pouvoir... Il a été à Québec pour hijacker une manifestation syndicale et essayer de se faire du crédit là-dessus. C'est la barre minimale que le gouvernement a instauré et de rêve à une grève illimitée. Illimitée. Donc, je suis à Québec au ministère même, au ministère. Et moi, mon rêve, c'est... Tu vois, les madames font attention, les manifestantes font attention. Voilà. À pas être dans la piste cyclable en plus, de toute comment beauté. Il y a une personne qui fait pas attention à pas être dans la piste cyclable. Devine c'est qui, hein? Tabarnak. Je soutiens entièrement votre manif. Je soutiens ta manif pour votre manif entièrement. Ben, c'est tous des employés du gouvernement, c'est tous des corrompus, tu disais, à ma belle. Mais est-ce que tu tiendrais la manif si, mettons, il y avait un trans dans la manif? Parce que ça me mettra en contradiction. Non, c'est quand il voulait passer.